Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous propose une coiffure très simple, rapide, pour les cheveux crépus, bouclés ou frisés. Je pense que c'est quand même réalisable. Je remercie les 600 abonnés. Franchement, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui me suivent et les nouveaux, ceux qui viennent d'arriver. Merci beaucoup, ça me touche. Merci pour vos commentaires. Vous m'encouragez et ça me rebooste. Merci. Je vais bientôt rentrer en Guyane. Je suis trop contente pour moi. Du coup, j'attendais mon billet avec impatience. C'est la dame qui devait m'envoyer mon billet. Je ne sais pas si vous connaissez ce système. C'est en fait, c'est l'État qui paye le billet. C'est un organisme qui paye le billet des étudiants. Et chaque vacances, je rentre, je ne peux pas passer une année sans rentrer, voir mes parents. C'est impossible. Vous allez croire que je suis encore, gamine. mais c'est pas ça et qu'il faut couper le cordon. Mais je ne peux pas. J'ai coupé le cordon, bien sûr. Mais c'est primordial. C'est important pour moi de se retrouver, de revoir la famille, mes parents. Et moi, je trouve que c'est vraiment dommage de gâcher un billet gratuit qu'on nous offre. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans les dom-toms qui n'en profitent pas, alors qu'ils ont la possibilité de faire la demande et de rentrer chaque été, même peu importe le moment, mais vous avez droit à un billet gratuit aller-retour chaque année. Donc profitez-en. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc moi, j'en profite, je vais bientôt rentrer en Guyane et je suis trop contente de retrouver ma famille qui me manque énormément. J'ai quelques sœurs et frères ici. Il y a les autres qui sont restés en Guyane, je vais quand même les voir. Et à très bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Bisous. Bon, c'est une vidéo que j'avais déjà filmée, mais j'ai perdu ce que j'avais filmé, ça n'a pas enregistré. Du coup, je recommence à zéro. C'est pour ça que cette partie est tirée et cette partie non, parce que quand j'ai lavé mes cheveux, je les ai laissés shrinker. J'ai pas fait de coiffure protectrice pour que ça ne shrinke pas. Je sais même pas si ça se dit comme ça. Une fois démêlé, je vais commencer à faire la natte. Je commence par le haut parce que je veux que la tresse soit vers le haut, pas vers le bas. Si vous n'avez pas l'habitude, prenez votre temps. Je vais pas faire jusqu'au bout. Je passe cette mèche en dessous de mes cheveux. Je bloquais avec les deux épingles que je vais mettre au début. Et maintenant, on va rajouter les accessoires.